Et donc ça, on n'en fait rien, ça on le laisse par terre. Pardon ! Je me suis trompé de bouton ! Excusez-moi ! Je me suis trompé de bouton, the game ! Bon, on retourne au camp, hein, parce que c'est pas fameux tout ça. Mais quoi, mais recherché, mais c'est bon, je l'ai juste plaqué au sol. Même dans la vraie vie, je l'ai déjà fait. Les vaches normandes, mais ça c'est un complot. Le tigre du Bengale, mais oui, mais n'importe quoi. Ce ne sont pas des arguments valables. On va pas me sortir qu'il y a des biches de Virginie. Ah, quand même. Les vaches normandes, c'est juste parce qu'elles sont grosses. Les vaches corses, c'est parce qu'elles sont maigres. Voilà, mais c'est des vaches. Les biches, c'est les mêmes en Virginie, au Kentucky. Sous les animaux sauvages. Spare. Sparta. Putain, mais c'est bon, quoi. On va pas me mettre chez les flics pour avoir plaqué un mec au sol. Même dans la vraie vie, je l'ai déjà fait. C'est pas un problème. Par contre, je pense que si je chasse un mouton d'un berger, il va pas aimer. Je pense que c'est considéré comme du vol. Oh, un gros faisan. Bref. Le ragondin du Pakistan. Mais oui. Mais ça, c'est... C'est comme plein de choses. C'est comme l'escalope milanaise. C'est comme... les viennoiseries. C'est comme... C'est comme... je ne sais pas, moi. Je n'ai plus d'idée. Il y a plusieurs variétés de biches. Mais oui, je me doute qu'il y a plusieurs marques de biches. Comme il y a plusieurs variétés de bâches. Bah oui, le canard de Norvège. Bah oui. L'esturgeon de Stockholm. Tout ça, on connaît très bien les bails. Bon, soit. Mais quand même... Je veux des boulettes. Elle est où la réserve à boulettes? La buse du Bengale. Faisons une liste non exhaustive. Continuons comme ça. Ah ben là-bas, il y a la boubouf. Salut toi. Toujours tes bouboules. Et comment on fait là? On se sert. Il n'y a personne pour me servir. Pardon. Plusieurs jours. Ah oui, carrément, ça déconne pas. Ah oui, ragout.png par contre. Le blobfish du Minnesota. Alors, trouve-moi une photo de blobfish du Minnesota. On en reparle. Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est le cheval que j'ai capturé, ça? Oh, Michael! C'est le cheval moonwalk. Ah! Ça va, au calme. Bon ben, je te laisse continuer comme ça. Allez, salut. Arthur. Dormir. Jusqu'au matin. Parce qu'on est très matinal, nous, dans le Far West. Mais non, pas le moonwalk. La marche des moules. Le moonwalk. Mais il continue! Mais c'est qu'il continue, ce fou!
Mais qu'est-ce que tu fais, mon cheval est complètement entaré. Mais il creuse le sol. Il va arriver en Chine. Mais tu es un génie. J'ai envie de la battre. Mec, mon cheval, il fait du moonwalk et le mec, il passe tranquille. Pff, ouais, ça me surprend pas, hein. Franchement, il a fait ça toute la nuit. Je me dis que c'est normal. Peut-être comme ça qu'ils dorment, les chevaux. Non, mais sérieux. Et ça, c'est un cheval doux. Il est de Virginie, ce cheval, aussi. Ils font du moonwalk, les chevaux, en Virginie. J'aimerais qu'on arrête de se foutre de ma gueule, hein. Quand même. Attendez, je vais mettre une pièce dans la boîte à pièces. Mustang Jackson. Mais c'est comme ça qu'on va l'appeler, Mustang Jackson. Faire un don. Alors attendez, il faut qu'il y ait 200$ tout pile, ça serait bien. Donc ça fait 80... 86 cents. Mais non, ça fait pas ça. Ah oui, d'accord, non, ok. 200$, c'est moi qui ai 200$. Ah bon, on va faire en sorte qu'il y ait 30$ dans le truc. On va mettre... 2,41$. Non, 2$. 2,49$. Jean-Michel Matsup Matspé. Yeah, il y a 31$ dedans. The King of Cataclop. Mustang Jackson, The King of Cataclop. J'aime bien comment on déclenche l'émission, c'est pas trop... ça c'est assez réaliste. You find a buyer for them bonds we stole? Not yet, but Jose is working on it. When we heading west? Soon? Things have changed. The whole world's changed. They don't want folk like us no more. We're being hunted. We are smarter than them. Only the feeblest of men take jobs in the government. I hope so. Trust Dutch, Mr. Morgan. You have to. They got Micah! Dutch! Officer! What's going on? They got Micah. He's been arrested for murder. He was in Strawberry. It's okay, and... son. Breathe. Mais pourquoi je suis toujours pieds nus, moi, depuis tout à l'heure? They got Micah and the sheriffs in Strawberry. And there's talk of hanging him. Here's open. Arthur. What? The fool brought this on himself. You know my feelings about him, Dutch. You think I can't see past his bluster to the heart inside? He is a fine man. No, I ain't saving that fool. I can't go. My face will be all over West Elizabeth. I am asking. He would do it for you. I don't think he would, but fine, all right. Arthur. You okay, Lenny? Yeah. Of course I'm okay. You don't seem okay. You take that kid into town. Je vois pas qui c'est le mec qu'on doit sauver. Ça me dit rien. Get him drunk. And Arthur, no crazy business. I've given that up. And you get Micah out of that jail. Come on, son. I'll get to it, Dutch. Just can't drop everything. C'est quoi ce mulet qu'il a? Allez, on prend Mustang Jackson, The King of Cataclop. Coucou Thierry. Coucou de Belgique. What the fuck, man? Qu'est-ce que tu fous en Belgique? Sérieusement? Bon, je sais pas du tout qui c'est le mec qu'on va chercher, en fait. Mais je comprends toujours pas pourquoi j'ai pas de chaussures, quoi. C'est incroyable. Genre là, j'ai pas de chaussures. Et là, là j'ai des bottes. Yes. Bon, on va garder cette tenue parce que là j'ai des bottes. Super.
Alors, attendez, parce que là, c'est où qu'on va, en fait? C'est en ville. Et moi, je suis toujours recherché, hein, donc en ville, c'est pas trop le bon plan, hein. Franchement, à chaque fois que j'y vais, il se passe quelque chose. Utilise ton cerveau. Quoi? De quoi utilise ton cerveau? Ah, le petit con. Tu sais pourquoi il est en Belgique? Ah bon? Ah bon, je sais pourquoi il est en Belgique, mais non, je sais pas. Vous me direz après. Ah, c'est le petit con auquel je devais couper les bouboules. C'est lui qui a été capturé? Ah bah oui, c'est clair que... Bah, il perd envie de le sauver, quoi. Ni lui, ni ses bouboules, quoi. Il sait plus. Mais non, je sais pas pourquoi t'es en Belgique. Tu sais rien, moi. T'en avais marre de la friterie de ton bled, alors t'es allé en Belgique? Non, je sais pas, non. J'ai oublié. Je suis censé avoir un événement, j'en sais rien, moi. T'as un mariage en Belgique, je sais pas. Sans déconner, j'en sais vraiment rien, quoi. Attendez, je vais garer le cheval. Tut, tut, tut. Allez. The King of Cataclope. The King of Cataclope. Ah, The King of Cataclope reste ici. Super dur à dire, The King of Cataclope. Trop stylé quand tu rentres dans le saloon comme ça. Just one or two, right off? Of course, just a drink, no big drama. Can we get a couple beers, please? You, I don't want no trouble. You'll get none from me. I was defending myself. Tommy, he's... He'll be fine. Here, have one for yourself. Thank you. Micah seemed to know a lot of people. That was the problem. How you mean? I mean, I done seen a lot of crazy, crazy stuff, but Micah... A lot of crazy, crazy stuff. Will you shut up? Will you shut up? Be quiet, buddy. Oh, there, dullards. My lord. You men is dull. And leave this fool alone. Leave the fool alone. People been leaving me alone for the last 10 years. I'm bored. Listen, buddy. You're a charming fellow. One of the best. But me and the kid here, we're trying to talk business, so could you possibly leave us alone? No offense intended. Ain't no pleasing some folk. Just trying to be friendly. Oh. Mm. Allez, bourré comme des queues de pelle. That's great, pardon. Lenny, where are you? Hey, you see my friend anywhere? Lenny. Lenny, non mais c'est dans le thème, on rencontre la photographe. Mais comment je suis censé savoir que c'est en Belgique, moi? Lenny? Lenny? Il a le visage plein de boue. On dirait qu'on m'a chié dans la bouche. Sorry. Sorry. Cette musique.
Lady! Ah bah oui, rebuvons, c'est une bonne idée. Lenny. Eh, vous tapez pas sur mon copain noir, ok? C'est pas parce qu'elle a pas la même que vous que... C'est pas mon copain. Ok? C'est mon copain. Putain, quand je suis bourré, il y a des aberrations chromatiques de partout. What the fuck? Oh my fucking god. Dickens, le jeu en VR. La bite à Dickens, the game, en VR. Waouh. Je suis tellement content d'avoir la démo. Ouais. Oh, c'est de pire en pire. Simulateur d'alcoolémie. Trouvez l'ami. C'est celui qui est noir. C'est lui? Lenny? Lenny! Lenny! Ah, Lenny! Mais c'est pas du tout Lenny. Il est pas comme ça, Lenny. Il est pas comme ça, Lenny! Ah mais ils ont tous la tête à Lenny quoi. Dickens Dick Simulator 2018. Oh putain, mais ils ont tous la tête à Lenny. Lenny. Oh Lenny. Je savais pas que t'avais de si beaux boobs. Oh putain mais. Allez! Simulateur d'alcool, n'est-ce pas? Allez! Mais il est terrible ce jeu! La nuit! La nuit! La nuit! Il y a beaucoup trop de Lenny! Oh 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 Lenny! Lenny! Mais je te cherche! T'es partout et t'es nulle part à la fois! M'en mis une tarte dans ma gueule là! Jason, oups, mauvais jeu. Cheers. Not you again. Je vais pas noyer le mec quand même, quoi. Lenny. Je pense que l'épisode il va juste s'appeler Lenny. Nava. Vous ne m'aurez jamais. Je vais fuir jusqu'en Chine. Non, jamais vivant. Ah
J'ai trop envie de faire un court-métrage avec tous ces effets dedans, là. Court-métrage bourré, quoi. Cette bromance, mais oui. Oh, Lenny. Le yaoi, Lenny. Arthur X Lenny fanfic. Ah, ça, c'est des cuites comme on n'en fait plus, hein. C'est quand même la cuite de qualité, ça. Je veux dire, là, waouh, waouh. T'es con, Morgane. Bah oui, t'es con. T'es con, Morgane. T'as tué ton cheval. T'as tué ton cheval et tu l'as remplacé par Lenny. Oh la vache. Oh les effets gueule de bois du jeu. Not again. Oh, il est pas bien quoi le héros. Attends mais il est où mon cheval? Oh, il est là-bas. Mais comment je suis arrivé ici? Le mec, attendez. Le mec tellement bourré. Mais il a fait 15 bornes à pied dans la forêt. Avant de s'écrouler comme une merde. Incroyable. Very bad trip, quoi. Mais ouais, c'est ça. La version du Grand Ouest de Very Bad Trip. On peut prendre un train, ici. C'est une gare, après tout. Peut-être prendre un train. Non mais je veux pas parler à ce mec là. Bon allez, je le déclenche, ça sera fait. Do you smoke, sir? Sure, but perhaps not as much as you. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Droguez-vous. C'est mieux, prenez du speed. What are all the cigarettes for? Are you heading on a long journey or something? No, nothing like that at all. I'm just interested in the cards. Okay. Cigarette cards. Oh, you got any? Yeah. Well, get them out. Let me take a look. Come on, come on. A little picture card? Yeah, I'll pay you a good price. Okay. Here. Ah, nothing I haven't got. The value is in completing the set. Sometimes I'll smoke up to 200 cigarettes in one day, just so I can keep opening the packs. I wish I could explain to you the pleasure and the pain I get. Toi, tu vas avoir un cancer exceptionnel. Sure. It sounds, thrilling? Yeah, it is. Not to mention the vast amounts of life reaffirming cigarettes I get to smoke. Oh. And the amount of money? A veritable fortune, sir. Fortune? Oh, sure, sure. A complete set of any series is worth a fortune. Yeah, look at this. Gunslingers. Over here? Circus freaks. Yes, yes, yes. Meow meows of the desert. So rare. I never knew. Sure. How much? Well, it depends on the rarity, sir. Oh, of course. Yeah. But, you know, if you ever get a complete set, I can take it off your hands. You'd pay me. A fair price. Now you send them to me right here. Phineas T. Rangbottom, at your service. Donc ça, à chaque fois, les inconnus, c'est des déclenchements de quêtes annexes, hein, c'est comme dans le premier. Look me up, okay? Think about this deal. Only a complete set. That's where the value lies. Vous avez vu la vidéo Serious Talk sur le bazar du grenier? Non, je ne l'ai pas vue. No, mais je regarderai ça. Ah bah c'est bon, j'ai pris un train. Parfait. Pa là. Est-ce qu'on peut s'asseoir au moins? En fait, il va où le train? Parce que là, attendez, on est où?
Et il va pas du tout vers la bonne ville en fait. Bah c'est pas vers là que je veux aller. Oh le mec, la gueule de bois du mec. Oh la vache, il prend un train, il sait même pas où il va quoi. Parce qu'attendez. Non mais on va aller hyper loin si on part par là. C'est pas du tout bon ça. Comme une merde. Bon. I like train. I like train. Mm-hmm. La route la plus proche là, c'est ici hein. Non mais on va refaire la technique d'avant, on va attendre un cheval qui passe et puis ça sera bien. Après je me demande si ça marche, tu vois, de demander aux gens de nous emmener gentiment. Attends, peut pas afficher ton message. Tout ce que t'avais à faire, c'était de suivre ce putain de train. CG. Ça vient de quoi ça? Je me demande par exemple, voilà, si quelqu'un peut nous emmener vraiment quelque part. Hey, can I speak to you a second? Must be joking. I told you to stop. Mais I said stop, damn it. Hey, where are you going? I'm only messing with you. Ah d'accord, on doit pouvoir négocier. Ah, c'est dans GTA San Andreas. OK. Bon. Bah, je vais marcher en direction de la ville et puis je vais bien trouver quelqu'un. Je pense qu'il y a moyen de négocier quelque chose, ouais, effectivement. Ah, remarque, le camp est pas très loin. Hein. Je pourrais aller au camp à pied, prendre un cheval et... ça pourrait le faire, quoi. Pour aller récupérer le mien, mais bon. J'aimerais quand même trouver... trouver un moyen de locomotion, quoi. Bon. Bah c'est vachement bien ce jeu. On est perdu dans la forêt, on marche à pied, tranquille, on n'a plus de cheval. On aime beaucoup. Ah, on va tenter une négoce là. Alors, je suis désolé, mon téléphone qui vibre, je vais le mettre... Attendez, excusez-moi, je vais le mettre en sourdine. Parce que c'est pour le boulot, mais... Bon bref, je ne sais pas. Ça ne marche pas. Putain, mais c'est trop chiant, quoi. Y a jamais personne qui s'arrête, en fait. Les gens, ils pensent tous qu'on est un voleur. Ah, saluer, peut-être. Hey, partner. You remind me of a feller I used to know. Sorry, can't put my finger on it. Bon bah désolé hein, mais à un moment Voilà quoi. Quoi? Les ennemis ont été menés au camp. J'ai pas vu ce qu'il y avait marqué. Quoi? D'accord, je me retrouve téléporté au camp, comme ça, tranquille. Et mon cheval, il est où dans l'histoire? Tu en as pas, mon cheval? Le The King of the Pop. Où est mon cheval? Ah bah non, il est là. Ok, tranquille. Au calme. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme mission dans...
L'oncle. Ok. Ok. Et Leopold Strauss. Ok, mais lui, ouais, bon. On va faire ça d'abord. Ou l'oncle. Je pense que l'oncle, c'est une des premières missions, en fait. Donc on va faire ça direct. Allons parler à l'oncle. J'ai rien compris à ce qui s'est passé. Je sais pas pourquoi j'étais TP au camp d'un coup, juste après avoir tué un mec. Si vous avez compris, dites-moi, mais moi j'ai vraiment rien bité. What the fuck? Et donc, je vais vérifier quand même le truc des chaussures de tout à l'heure, parce que c'est bien ça, normalement, quand je... What? Ah mais non, je peux pas sélectionner tous les trucs quand je suis dans le camp. Je vous laisse, on se lève tôt demain. Good night les amish. Les amish. Content que t'aies enfin le jeu. Bah ouais, merci. Bah bonne nuit à toi. Et puis bon courage pour la suite. Merci d'être passé, ça fait plaisir. J'espère que tu reviendras. Oh, oh, oh. Careful not to work yourself to death there, uncle. I was thinking. Yeah, does it pay well? Oh, eventually. So, while the rest of us are busy, stealing... Je pense que ça va être la dernière mission de toute façon. You get to think all day. Well, it's a strange world we live in, Arthur Morgan. Do you want to head into town? See if we can find anything out? Sure. I got some errands to run. Great. Go check the horses are ready. If you're gonna take the old man into town, you can take us too? Well, what you got planned? Nothing. We'll find something for y'all two to do. We always do. We're bored out of our minds. Been cooped up here for 2 weeks now. Karen's about ready to murder Grimshaw. Well, can Miss Grimshaw spare you? Can Miss Grimshaw spare you? What's happened to you, Arthur? Three young, healthy women want you to take them a robin. You're worried about house chores. Let's go. Fair enough. You got me. Come on. I can't believe we're going to see civilization. Feels like weeks since we did. Yeah, Valentine. Very embodiment of civilization. You ladies are going to love it. Sure, you'll see. Real civilized. Allez, c'est parti. Let's go. All right. You know the way? Yeah. Bon, je sais pas ce que c'est cette mission, mais ce sera sûrement la dernière ou l'avant-dernière, je ne sais pas. Enfin bref. On essaye un peu d'ouvrir le camp parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. En fait, j'ai toujours pas compris comment on faisait pour ramener de la bouffe au camp et tout. J'ai l'impression qu'on peut le faire, mais j'ai toujours pas vraiment compris comment on le faisait. Ou si j'ai changé quelque chose. Ah bah c'est sympa comme chanson. Les chansons très mignonnes que je suppose on apprend à l'école dans ce pays. C'est très charmant. Bon, non, j'ai pas que ça à foutre de rattraper son cheval. Allez, go! Allez! Non, j'ai pas que ça à foutre d'aider un PNJ qui a perdu son cheval. Allez! Ça, par contre, c'est vraiment un veau, quoi. Quand on a une charrette comme ça, c'est l'enfer. Allez. Heaven forbid you put your head on the line. Yeah, well, that's a young man's game.
Ooh, yes. We can get up to some mischief here, all right. Just remember, keep a low profile. Will you remember that, though, Arthur? Probably not. Allez, allez, on y est presque, on y est presque. Voilà. Just like I said, cultural center of civilization. Man at his finest. Uncle, what are we doing? Well, we're gonna do what any self-respecting maniac does. Put the women to work. With pleasure. We'll start at the saloon. Okay, just stay out of trouble. Don't get yourselves noticed. Right, I need to get something from the store. Mm-hmm. We'll see you at the general store when you're done. Come on, ladies. Imaginez qu'on est à Paris. Ouais, c'est un peu chaud quand même là. A maniac? Well, in my youth, I used to be known as the one-shot kid. Okay. Je vais pas te demander pourquoi. Je vais pas te demander si c'est en rapport avec ton flingue ou ta bite. But I know you love me. Desperately. Il loupe un peu les marches quand même, hein. No. Ringworm's my favorite parasite. You're my second favorite parasite. Very funny. I lied. Ringworm, then rats with the plague, then you. Shut up. This is the place now. Come on. Morning. So, what do you need? Drop of whiskey for a start. Something to pass the time while we're waiting on the women. Ah, je peux acheter de la bouffe et tout. You're looking a bit tired there, Arthur. Why don't you pick up some coffee while we're here? La pommade pour les cheveux. Okay, if you're done, I'll meet you outside. Attends, vas-y, je vais en prendre deux fois de la pommade pour les cheveux. Si c'est pour nous faire pousser les cheveux, ça va être trop drôle. Mais je voulais pas 15 000 fois du café moulu. Ça, c'est trop rigolo d'acheter comme ça directement. Allez, j'achète des légumes. Je fais mon marché. Hein? Simulateur de vie. So, you're actually buying for once? You feeling all right? See this? Young folk got no respect for their elders. Ah, pour réanimer un cheval. Look at this. Oh, ça coûte cher par contre. I got a lot to replenish after that god awful time in the mountains. All done. Thank you kindly. Ah, this should do the trick. Réanimateur pour cheval. Et ça? Galette d'avoine, d'accord. C'est pour le cheval aussi. Bon, allez, ça sera tout. Feuilleter le catalogue. Catalogue de quoi, lui? Ah, d'accord, c'est tout. On peut acheter sur catalogue comme ça, ok. Ah oui, c'est pratique aussi, comme ça. Ok. Fort bien. Bonne journée, monsieur. Oh, here's to your good health, sir. And to being down here off that mountain. Absolutely. It's a funny world, you know. This time in my career, I pictured myself being married to an heiress. Gentlemen, I think I got something good. What? I snuck into this fancy house, acted like a servant girl. Usually works. Someone was saying her sister was taking a trip from New York or someplace. Train full of rich tourists heading to Saint Denis and then cruising off to Brazil. Okay. A train laden with baggage and passing through a bit of deserted country at night as to get to the docks in time for the tides in some place called Scarlet Meadows. Yeah, I know it. Yeah, it's right out near New Hanover. Right, it's real quiet out there. Sounds good. Where's Tilly and Karen? I think at the hotel. They were picking up some drunken fellas that they was gonna rob. Why? It seemed easy.
They have been gone for quite a while. Guess I'll go see if there's any trouble. La mission trop chiante. C'est bien, c'est cool de finir par une mission chiante. Get your hands off her, friend. Who are you? A friend of mine. Get off her. Or what exactly? You want to find out? You're making a big mistake, Tilly Jackson. Just get lost. I ain't doing this with you. Go away with Uncle and Mary Beth. They're across the street. Ouais. Okay. Thanks, Arthur. Casse-toi. Et que je te revois plus ici. Petit. Look after her. I'm gonna go see about Karen in the hotel. À l'hôtel, mais qu'est-ce qu'elle fout à l'hôtel? On est en pleine journée. À moins qu'elle se fait un peu d'argent de poche. I'm looking for a girl who came in here earlier with a drunk fella. Mid-20s, blonde. You'd remember her. Yeah, 2B. Are you a friend of his? A friend of hers. No trouble now, please. 2B, 2B, 2B. 2A. 2B. Zbleh! Hey! Who are you? A friend of hers. Get out of here, buddy. I paid. Ain't paid to hit her, you goddamn animal. Come here! Patate de fourrée. Trying to play him, not very well. You okay? Fine. You sure? Yeah. Nothing to worry about. Just men. But stupid bastard was boasting about the bank. Bank? Sure, I know small town banks are usually a waste of time, but this is a livestock town. There's lots of cash sometimes. Okay. Keep investigating. I will. Mm-hmm. After you. Braquer une banque. C'est un peu chaud quand même, non? Arthur. I don't much like being saved, but when I have to be. I understand. Ah ouais, mais deux patates et c'était mort, quoi. No one punched me. Arthur punched him a lot harder. All right, then. Hey, who's that guy over there looking at us? Weren't you in Blackwater a few weeks back? Me? No, sir. Ain't from there. Oh, you were. Well, I definitely saw you with a bunch of fellers. Me? No. Impossible. Listen, buddy. Come here for a minute. I saw you. Come here. Come on, get. I don't like this. Me neither. Go get the girls home. I'm gonna go have a word. Be careful, Arthur. Just a word. Reviens là, mon petit gars. Non, non, j'étais pas du tout à Blackwater. Attends, il est où? Ma botte de paille. C'est lui, là? Le gros naze. Please, I can't get up. Why are you telling lies about me? No, no. I got it wrong, partner. I got it very wrong. Now please help me up. Je sais pas si vous voyez, mais en fait j'ai des solutions. Je peux faire différents trucs. Je pouvais le questionner ou le tuer, par exemple. Yes, yes, me too. Now please pull me up, please. Oh! Voilà, je n'étais pas à Blackwater. Let's go, girl. Yep. Qu'on se le dise. Bref, les amis, je pense que bon, c'était une mission un peu naze, je suis désolé, je préfère finir sur une grosse mission assez épique ou assez fun et tout, enfin
où il se passe pas mal de choses. Là, c'était une mission de début de jeu un peu naze. Mais bon, c'est pas bien grave. On va quand même se laisser là-dessus parce que voilà, ça fait déjà je sais pas combien de temps que je stream. Ouais, quasiment 3 heures que je stream, donc c'est plutôt pas mal, je pense. Même si ça fait pas vraiment 3 heures qu'on est en jeu, mais ça fait au moins 2h30. Donc, je vous dis à la prochaine pour la suite de Red Dead Redemption. Ça sera sûrement vendredi prochain, je pense. Je vais reprendre, je pense, les streams hebdomadaires pour Red Dead Redemption. Ça sera sûrement tous les vendredis. Si ça change, je vous préviendrai de toute façon. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. C'était Trunks le Panda. Portez-vous bien. Ciao !